que j'ai vu sur pas mal de chaînes que j'aime beaucoup. Une vidéo qui consiste à regarder les anciennes wishlists et tout simplement les commenter. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de revoir les vêtements que dans le passé je voulais, que j'ai eu, que j'ai pas eu forcément, que je ne veux plus, ou que des trucs comme ça quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux wishlists que j'ai fait, je vais les commenter, je vais vous donner mes retours, mes impressions, nanana, j'ai acheté les vêtements, etc. Mes propos sont incohérents parfois, excusez-moi, mais c'est juste que ça me gêne de regarder mes vidéos, ça me gêne au montage, alors là, les regarder avec vous, c'est encore plus gênant. Let me see you put 'em up. Reach the skies as the stars up above. 'Cause it's one time for the underdog. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une wishlist. Qu'est-ce que c'est une wishlist? C'est la liste des choses que l'on veut. Wishlist. En l'occurrence, comme... J'ai besoin d'expliquer, en fait, je me sens un peu mal si j'explique pas. Je me dis pour les personnes qui comprennent pas, etc. Je suis quelqu'un de gentil. Alors, comme premier article, j'avais pensé à ce caban qui vient de chez Asos. La couleur est bleu marine, je voulais un bleu un peu plus foncé pour que ça fasse plus avec tout, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, ce caban me va très très bien aussi. Alors en fait, ce caban, finalement, je l'ai acheté, mais sauf que je l'ai pas acheté sur Asos, je l'ai acheté sur Zalando, il y a pas très longtemps, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc je suis très content finalement, parce que ce caban, au final, je le voulais vraiment. Ainsi, j'avais pensé à des cardigans. Je pense que c'est tout simplement des basiques à avoir. On n'est pas forcément... Alors ça, je retire ce que j'ai dit, parce que les cardigans, ouais, enfin, je trouve que c'est des basiques à avoir. Mais bon, ceux-là, ils sont clairement trop fins, enfin pour moi en tout cas, parce que je suis passé... C'est pas assez belle, j'ai passé de bras, de pecs, etc. Donc moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre ces cardigans-là, en tout cas. Pour moi. Donc, c'est bien d'avoir zappé, je suis content de pas en avoir acheté. De toute façon, si j'achète certainement, je vous montrerai au moins une tenue avec quoi l'associer, quoi, pour vous montrer comment. Ouf, alors là, ce pantalon, je le surkiffe. Je suis vraiment trop content de l'avoir acheté, il me va nickel, donc... c'est vraiment un article que je suis content d'avoir acheté, nickel. Alors ça, je pense que c'était un kiff à un moment, mais c'était pas vraiment essentiel, surtout le camouflage, surtout le suite camouflage, le suite à capuche camouflage, parce que c'est vraiment difficile à associer. Donc je regrette pas du tout de pas l'avoir pris. Par contre le suite noir, il m'en faut un comme ça, hein, bien ajusté, qui taille bien. Ouais, il m'en faut un suite à capuche, suite noir, tu peux faire plein de tenues avec. Donc je suis un peu déçu de pas l'avoir pris, pour le coup. Suite à capuche noir dans un total look. En fait, je vous explique. J'ai trois chemises. Ces chemises, finalement, j'en ai une. Enfin, je suis content. Donc, elle est nickel. Elle me va bien, je trouve. Je sais pas qu'on croit que je fais trop le mec, mais bon, enfin, je trouve qu'elle me va bien celle-là. Même si c'est pas celle-là, je sais pas ce que je raconte. Non, c'est pas une chemise. Je sais plus d'où elle venait. Donc, avec des petits carreaux, donc ils sont, les carreaux sont vraiment tout petits, donc c'est presque indiscernable. Bon, tu réponds pas à la question. Bon, c'est en fait, elle venait de un magasin, je crois, qui était au centre. D'où elle venait. Je sais plus de quel magasin elle venait, mais finalement j'en ai acheté une chez H&M, ça fait parfaitement l'affaire. Donc j'avais respecté ma wishlist là-dessus. J'ai pas mal respecté en fait, je trouve. Bon, enfin ça fait 2 sur 4, mais bon, c'est déjà pas mal. Et le dernier article auquel j'ai pensé, c'est une veste en jean kaki sur laquelle je déprime lamentablement depuis au moins 3 mois parce qu'elle est pas revenue en stock. Sans... Ouais, continue de déprimer, hein. Franchement, cette veste. Que dire, hein, je l'ai cherchée sur Asos, j'ai attendu, ouais, c'est vrai, j'ai attendu vraiment longtemps pour l'avoir. Elle est jamais revenue, je pense qu'elle est partie définitivement. J'ai un peu le seum parce que j'aime vraiment la couleur en fait. Et le fait qu'elle soit kaki pour une veste en jean, je trouve ça grave original. Donc ça aurait pu faire la différence, ça aurait pu être le vêtement stylé. Mais bon, j'ai abandonné. J'ai essayé d'en prendre une autre, toujours Asos, mais bon, le résultat était pitoyable. Je flottais dedans, je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc je reste sur ma fin, quoi, j'attends. On va maintenant passer à la deuxième wishlist, donc c'est la plus récente. Il est mignon. Je déconne. Alors, dans la semaine, c'est bientôt Noël. Donc, le lundi prochain, c'est Noël. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo à propos de Noël. Même si. J'adore faire ça en fait. Je trouve ça grand stylé. Je me donne des délires dans les montages. Bon, essayez pas de comprendre, je suis un peu bizarre. C'est la noire parce que je trouve que c'est celle qui va avec plus de choses. Alors en effet, ça, je suis toujours en train d'essayer d'en avoir une paire, une noire. Bon, j'en ai acheté récemment, j'aimerais te les recevoir, je vais vous dire ce que j'en pense, mais peut-être sur Snap parce que j'aurais pas assez d'articles à mon avis pour faire une vidéo vu que j'économise un peu. Donc je vais peut-être les montrer sur Snap ou sur Insta, enfin peu importe, je verrai. Par contre les grises, je les veux un peu moins.
déjà, alors que la vidéo elle date de du 20 décembre. Ouais, je change rapidement d'avis. Je me lasse vite des choses. La grise aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment magnifiques. Un qui est beige, on va dire c'est plutôt beige, un orange et un jaune. Ils sont ouf, oh, ils sont trop beaux. Des vêtements vraiment. Le ouf, ouais. Ouais, bah ces vêtements, je les veux toujours, hein. Surtout le jaune. Je l'ai commandé aussi d'ailleurs. Je vais bientôt le recevoir, je vous montrerai aussi. Par contre, le beige, c'est pas vraiment ma priorité. Le orange, c'est ma deuxième priorité après le jaune. Donc, ce sera mon prochain article normalement que j'achèterai. Le beige, pas trop, c'est plus un violet que j'avais vu. Ouais, plus un violet, j'aime bien les couleurs pas normales quoi. Enfin, les couleurs pas beaucoup portées. Un truc qui fait la différence. Collection de casquettes, j'en voulais une rouge et une camouflage. Pour ces casquettes, alors ouais, je les veux toujours. Bah, rien d'autre à dire de plus. Je les veux toujours, mais je les ai toujours pas. On attend d'avoir l'argent, on attend qu'il y ait des promos. Enfin, même si on est en pleine période de solde, mais bon, enfin, c'est toujours trop cher pour moi. Moi, j'attends vraiment les grosses promos. C'est un conseil de ma maman. Je veux plutôt une veste en jean gris foncé. Cette veste aussi, elle me plaît bien. Enfin, elle me plaît toujours autant. Enfin, elle me plaît bien, elle me plaît. Enfin, je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'elle me plaît. C'est un peu débile, mais ouais, elle me plaît toujours autant. Bah, j'attends d'avoir l'argent, quoi. Col fourrure noir. Et en plus, comme c'est du gris et du noir, c'est des couleurs qui sont assez faciles à associer. Donc, je pense que ça peut aller à tout le monde, ça. Une veste en jean noir, une veste en jean grise. Voilà, parce que je veux agrandir un peu ma collection de veste en jean. À la base, j'en ai une de kaki. Sauf que sur Asos, la veste en jean kaki que j'ai trouvée. Bon, je vous répète, je vais pas vous répéter la même chose, hein, ça va. Pour laquelle je vais la porter. J'adore cette veste. Par contre, on est d'accord que cette veste est magnifique. On est d'accord qu'elle taille bien, qu'elle fait. Qu'elle donne un style de malade. Mais plus, j'ai pas du tout l'argent pour cette veste. En plus, je viens de me rendre sur le site de la veste en question et bah, elle est déjà partie. Elle avait une réduction d'environ 50%, donc comme d'habitude, les gens ils se sont jetés dessus. Hein, on a vu que j'étais pas le seul à la convoiter. Donc, c'est pas grave, hein, de toute façon, j'aurais pas eu l'argent pour l'acheter. J'aurais dû attendre vachement longtemps, donc c'était pas de rêver. Elle était belle, je me voyais avec et tout ça. C'est pas grave. Bon, voilà, on a fait le tour des wishlists. En général, j'ai pas trop acheté ce que j'avais prévu d'acheter, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même cool. Ça peut paraître bizarre, mais réaliser les vidéos des wishlists, ça me fait un peu rêver, même sans toucher les vêtements, sans les approcher, même sans les... Enfin, je les regarde seulement, ça me fait rêver. Et en plus, si ça peut vous donner des idées, bah c'est cool. Voilà, cette vidéo où je regardais mes vidéos wishlists est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Arrêtez également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont affichés ici. J'ai Insta, j'ai Snapchat, j'ai Twitter, j'ai Facebook. Enfin, Facebook, c'est pas nécessaire, encore une fois, je le redis. Je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, je pense. Mais c'est vraiment pas nécessaire, j'utilise pas vraiment beaucoup Facebook. Insta et Snapchat, go follow, je mets des vidéos, je mets des images, je mets des trucs, je partage. Je suis actif là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchoussa!